Gauguin avait signé une toile. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Atrides, nous avons envie de répéter les interrogations de Gauguin, mais nous éprouvons l'étrange sentiment qu'il a déjà répondu à des questions que nous ne nous sommes pas encore posées. Il semble tout aussi absurde de poser dans ces toiles une forme à un contenu que de distinguer une science picturale et un message à déchiffrer. Thank you.
cette perfection formelle qui s'affirme de façon provocante, n'est-ce pas le véritable sujet de l'œuvre? Cette beauté inexplicable inquiète et dérange. Le regard cherche vainement une faiblesse, une retouche maladroite, en repentir. La toile se livre avec l'impudence tranquille d'une divinité qui sait qu'elle est inabordable car elle est irréprochable. L'exploration infinie des possibilités picturales, voilà la perspective de travail que Iatrides s'est ouverte en maîtrisant successivement les divers langages de l'art du XXe siècle. En intégrant une écriture abstraite dans une composition figurative, il ne cherche nullement à imiter la réalité. La matière qu'il produit est une création entièrement originale qui n'a pas de modèle ni de référent dans le monde naturel. Une œuvre de Iatrides est littéralement une toile abstraite couverte d'air délimité par un tracé rigoureux et traitée de façon autonome afin d'explorer dans chacune diverses techniques portées à leur apogée.